toi. C'est comme ça. Je suis perpétuellement en chasse. Tu l'as flairé, c'est ça? Toi, ma chère Eleanor. Wainwright, assez! Il faut que tu résistes! Vous en avez assez fait comme ça, l'ombré. Je vous ferai savoir! On s'abattra sur toi!
J'ai bien noté ta faiblesse. L'ami. Une fin minable pour une teinture minable. Je m'engage aussi envers toi, mon bien-aimé Vincent. Le renouvellement de Gideon est aussi le nôtre. Toi et moi, mon amour, nous sommes éternels. Nos petits problèmes se briseront comme des vases sur un rocher. Si quelque chose se dresse sur notre chemin, il sera détruit. Si quelqu'un tente de nous séparer, il périra. Je t'aime, Eleanor. Je t'aime, Vincent. Nous sommes éternels. Regardez-moi cette salle. Cette horrible vieille épique. C'était Belia la puante, diva de la lithose et de la gingivite. Ennemi juré de l'hygiène dentaire. Inutile de vous vexer à cause de ces insultes, elle souffre de maux dentaires permanents. Ça la rend terriblement grincheuse. Yeah.
J'aime ton enthousiasme, mon ami. Repose-toi. Ta chasse est terminée. Trouver quelque chose? Bon travail. Comme vous avez l'air d'avoir la situation bien en main, je retourne en ville. J'ai deux mots à dire à Juno. Retrouvez la pierre, tout le monde compte sur vous. Terrible boucher dans les parages. Il s'appelle Adonmar. Traquez-le et montrez-lui ce que c'est que de se faire brutaliser. Si je peux aider. Bienvenue au mort des médocs du Dr. Z. Encore.
Skirmash, occupe-toi de cette visite importune. Je t'ai pas mis aux commandes pour des prunes. Boucle-moi tout ça! Vous avez entendu? Faites-lui la peau! Et verrouillez la porte! Juste en cas où! Impossible d'entrer. Alors le chasseur de l'arche voulut tout chambarder pour les faire sortir de leur pays. À commencer par toutes ces richesses chapardées. Cette technologie finirait un jour par s'avérer bien pratique, mais pas pour l'instant. Juste un jour. Ah.
Ça avait beau être un ramassis d'ordures, ils savaient apprécier un bon bain chaud. Le chasseur de l'arche allait frapper leurs points sensibles. Au repère des diables sauvages, c'était Byzance. Munitions, noyaux, il y avait tout. On s'est mis en position, mais quelque chose m'a retenu. Le gang était amassé autour d'un type en train de beugler. Il se faisait tatouer, avec de l'encre pleine de noyaux fluorescents. Pauvre bougre, il est tombé dans les vapes. Ils se marraient tous, c'est là qu'on a surgi. Cette nuit-là, les rivières se sont gorgées de sang, mais... au moment de remplir nos gourdes le lendemain matin, l'eau était de nouveau cristalline. Prends-moi ! Je te mets à couvert ! Une nouvelle cachette ! Les munitions personnelles de Sato. Vous les avez bien méritées, chasseur de primes. Bête ! Une belle journée ! Je veux pas protéger ! Une tape ! Martien ! Ça n'avait pas marché. Il était peut-être temps d'opter pour une approche plus... destructrice. J'ai connu une femme fort intrigante qui disait « Les flammes règlent bien des choses ». Il devait bien y avoir quelque chose d'inflammable dans le coin. Un petit explosif improvisé, ça ferait l'affaire. Était-ce une bonne ou une affreuse idée? Difficile à dire. Cette vermine essaie de faire cramer le bâtiment! Ça suffit! Allez-y! Sauvez mes mains de la destruction! On peut dire que ça a attiré leur attention. Sur le moment, ce n'était qu'une fusillade de plus. Mais quelques années plus tard, l'événement fut surnommé la boucherie des pins. Il y avait comme un parfum de lavande et d'hémoglobine dans l'air. Le chasseur de l'arche s'enfonça au cœur même du repère, pensant y trouver la pierre. Très bien, Stéréo, très bien. Viens voir dans mon bureau, qu'on en finisse dans les mains du code. Thank you.
Un bon nombre de diables sauvages avant de disparaître. C'était plus des tatouages, mais une vraie tapisserie. Parmi les butins de guerre, quelque chose attira l'œil du chasseur de l'arche. «
Le chasseur de l'arche, savamment et à juste titre, comprit qu'il s'agissait d'une clé ouvrant une pièce secrète. Un classique dans ce genre de repère. Vous avez du cran, pistolero. Il faut bien l'admettre. J'aurais dû vous tuer quand l'occasion s'est présentée. Pour l'heure, j'ai un train à prendre. À plus tard. Oh, et quand vous serez de retour en ville, dites à la hache de guerre qu'elle a choisi le mauvais camp. J'aimerais bien vous dire que la pierre était rangée là, mais ce serait vous mentir. Hé, y a quelqu'un par ici? Si ça vous embête pas trop, ce serait sympa de venir m'aider à sortir de ce trou. Eh bien, il était temps que quelqu'un arrive. J'ai cru que j'allais mourir là-dedans. Vous êtes bien ici pour sauver un vieux troubadour, dites-moi. Absolument pas. Où est la pierre? La pierre, hein? Je vais vous dire. J'en ai plein le dos. Rose me force à jouer une mélodie pour la pierre. Encore et encore. Je sais vraiment pas pourquoi. Apparemment, Rose s'est enfuie avec le caillou parce que vous étiez à ses trousses. Je sais pas où elle comptait l'emmener. Mais il y a un truc que je sais. Cette pierre n'en est pas une. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un œuf incroyable. Je le jure sur McQuan. Un genre de monstre qui date de la grande firme. Rose l'appelait le Ravageur. Tenez, voyez par vous-même. Avant que le chasseur de l'arche n'arrive en ville, Ravageur n'était qu'un simple mot. Mais désormais, les gens font des signes de croix quand ils l'entendent. Ça devrait intéresser Juno. Merci de m'avoir fait sortir, Tomodachi. On se reverra à Vestige. Je croise les doigts. Difficile à croire. On a dormi à côté de cette chose monstrueuse pendant toutes ces années. Oh, ça va m'inspirer une chanson de malade. Il était grand temps de retourner en ville pour avertir Juno. Chasseur de l'arche? Qu'est-ce que tu fous là? Le petit robot.
m'a parlé de ton matériel perdu. T'es sérieux, là? Ça fait 7 ans que j'ai publié l'annonce, à l'époque où je tenais un établissement respectable. Pas cette vieille saloperie. Mais ça me fait quand même plaisir de te voir. J'essaie de filer un coup de main à tous les pauvres mecs qui ont touché par la guerre. Mais je vais pas te mentir. Manque grave de matos médical. On a besoin d'hexapriazine, d'huile de skag, de mélodinax et des mopacs. Y a moyen que tu ramènes ça dans ton sac? Ouais, au fait, je suis pas juste docteur en médecine. Je pratique les traumas militaires. Mais ma spécialité, c'est la rime, ma gueule. Oh merde! J'ai oublié de te filer ma mixtape. T'en voulais une? Non. Ouais, non, je comprends. Tu te concentres sur ton flow. C'est normal. Je te la filerai plus tard. Un coup splendide! Tout un lot de matériel médical. Trouve-les et explose leur caisse toute pourrave. Ah yes, la pharmacie. Complètement abandonnée, mais tu devrais y trouver du matos. Pareil que ça grouille de vermine. Empêche-les de proliférer, man. Je ne suis pas fait de sang, alors je prends le tien. J'ai besoin de toi, mon ami. Tu vois ce connard? C'est un dealer du marché noir. Je parie ce que tu veux qu'il a péta ce matériel. Mais c'est une baltringue. T'as qu'à le menacer, il te rendra tout. J'ai du matériel et je suis disposé à te le vendre pour un prix parfaitement déraisonnable. J'essaie juste de nourrir ma famille, tu me comprends, non? Pitié, tire pas. Il y a déjà beaucoup trop de violence par ici. Donne-moi juste le fric et ce sera marché conclu. C'est facile de jouer les chialeuses. Moi, pendant ce temps, j'ai plein de patients à soigner et zéro patience à donner. Menace-le qu'on en finisse. Tu te rends pas compte de ce qu'on vit? Les gens ont rien à manger ici. C'est un cauchemar. Wow, ok, d'accord. Prends-le, c'est à toi. Mais surtout, me fais pas de mal. C'est mort pour toi. Yes, voilà, là on parle. Il s'est bien chié dessus grâce à toi. Ouais, je sais ce que tu te dis. Pourquoi ce docteur voudrait devenir rappeur?
Mais écoute, la médecine, ça va, ça vient. Mais mes rimes, par contre, ça peut soigner les âmes. Bon, vas-y, je te fais une démo. Moi, je fais du rap artisanal pendant que les artistes anal décapent et d'épais, j'en ai fait, je suis cap dans les faits. Tu kiffes? Ouais, bien sûr que tu kiffes. Short en hémoglobine. Tiens d'ailleurs, hémoglobine ma cousine, c'est la meilleure track de ma mixtape. T'en voulais une ou bien... Non? Toujours pas? Ok, laisse tomber, je vais donner mon sang à moi. Prends cet hémopack vide et file-moi un petit coup de main. Ok, bon, très doucement. Applique délicatement l'hémopaque sur mon bras, ok? Ouais, ok, ça ira. Je suis désolé. Ok, merci, je crois. Avec un peu de chance, ça va renforcer ma street cred. Je vais peut-être me payer un de ces bras robots super badass d'Atlas. Mais bon, t'en fais pas pour moi, je vais survivre. Et mes patients aussi, grâce à toi. Le Montchouleur va enfin pouvoir faire son boulot et soigner les blessés. Au fait, dernière chance pour la mixtape. Toujours pas? Ok. C'est sur Athénas que j'ai vu ma première sirène. Une arme par-dessus le marché. Après ma découverte de l'Arche, Atlas m'a payé une fortune pour escorter un émissaire de la paix. Plus tard, j'ai appris que ces ordures avaient infiltré des espions parmi nous pour... Alors comme ça, tu traînes avec les pillards. Enfin, c'est normal. Lilith a dû me remplacer. Ça te dit un peu plus d'action? C'est pour ça que je suis là. Beauté des culs. À la chaîne. C'est bien ce que je pensais. Suis-moi. On va retrouver mon apprentie, en espérant qu'elle soit toujours en vie. Le fragment est enfermé dans un ermitage érythien. Des religieux ont construit le monastère autour parce qu'ils trouvaient le lieu sacré. C'est peut-être le cas, mais là, tout de suite, c'est surtout un aimant à trop de balles. Je suis revenue de Pandore pour protéger cet endroit. Tout se passait plutôt bien, jusqu'à ce que Maliwan nous trouve. Votre attention, moine pacifiste crétin! Ici l'oppresseur tremble! C'est pas juste un titre honorifique, je suis vraiment oppresseur de métier! Athénas est désormais la propriété de Maliwan. Défense d'entrée. Oh, c'est 30. Un gigantesque casse-couille. Il n'a pas encore réussi à entrer dans l'ermitage, mais vaut mieux pas miser sur son incompétence. Ceci est le journal personnel du capitaine Traum. Et si l'un de ses nettoyeurs de statues m'écoute, vous allez tous bientôt me le payer. Pourquoi faut toujours que je fasse le malin? Sûrement parce que, quand j'étais petit, tout le monde m'appelait Samy le Malin. Je criais, c'est pas ça mon nom. Mon nom, c'est Trout. Mais personne m'appelait jamais par mon vrai nom. Alors, du coup, j'ai décidé de devenir vraiment malin. Et j'ai plus jamais arrêté depuis. Thank you.
Antoine. Je sais que vous pensez que je fais ça parce que j'adore vous terroriser. Mais c'est juste parce que je veux que mon grand frère soit fier de moi. Il est général, vous savez, et ça me colle un sacré complexe d'infériorité. Alors si je dois faire cramer tout votre monastère pour l'impressionner, j'hésiterai pas. Vous me comprenez, pas vrai? Eh oui, vous me comprenez. Sécurise la place. Quand ce sera fait, on sonnera la cloche de la paix pour que les moines nous laissent passer. C'est dégagé. Quand on n'est pas en guerre, les cloches de la paix sonnent toutes les heures, jour et nuit. Entre nous, c'est un peu un cauchemar. Maya, où est passée la petite? Elle doit chercher les ennuis. Elle les cherche ou elle les provoque. Que les six tempêtes te protègent. Il a raison. Je dois retrouver mon apprenti. Ava, tu gardes toujours la bibliothèque? Maya, oui, je suis à la bibliothèque, c'est bien ça, parce que tu m'as dit d'y rester. Sans bouger, alors c'est toujours là que je suis. Ça, c'était un livre. Faut que j'y aille. Allez, tchuss! Oh. Ava est montée sur ressort. Elle est incapable de rester en place. C'est pour ça que... Moi, je pouvais lui apprendre à... survivre. Votre attention, moine d'Athénas! Ici le capitaine Trant! Donnez-nous immédiatement le fragment de la clé de l'Arche! Ou on sera forcé de vitrifier votre planète sereine à la con! Je veux dire par là qu'on la fera péter! Bordel! J'adore mon travail! On fait dans le concret! Super, chasseur de l'Arche! Si t'avais été là quand l'invasion a commencé, on aurait peut-être pu résister! Allez, sonne la cloche. Il va me falloir de l'iridium pour entrer dans l'ermitage. Ça renforcera mes pouvoirs de sirène. Et ma foi, tant qu'on en parle, t'es pour ou contre le pillage de tombes? J'ai toujours rêvé de piller la tombe d'un humain. Bien! Tu trouveras de l'iridium planqué dans le cimetière. Quelque chose me dit qu'Ava y est déjà. Elle t'aidera. Je suis encore jamais entrée dans l'ermitage. Il y a des protections iridiennes tout autour, mais je devrais pouvoir passer. J'ai lu un truc dans mon livre sur les techniques anciennes des sirènes. Je vais aller le chercher, puisqu'il n'y a personne à la bibliothèque. Je te rejoindrai après. Oui, donne l'assaut! Le bain de sang, le chaos! Tu ne peux rien contre moi. Ça te va si je t'emprunte ça? Merci, à plus. Oh, salut! Je faisais que passer. Pour piller des cadavres. Mais attends, t'es vraiment chasseur de l'Arche? Comme Maya avant? Tu pars à l'aventure, tu sauves l'univers, tu tues des méchants? C'est un peu plus compliqué que ça. Mais pas beaucoup plus. Ouais! Trop cool, je crois que mon cœur va lâcher! Moi aussi, je veux être chasseur de l'Arche. Mais il faudrait déjà que Maya arrête de m'envoyer surveiller une vieille bibliothèque pourrie ou regarder une flaque pendant des semaines. Désolée, c'est juste que je me fais un peu chier. Bon alors, on se le pille, ce cimetière? Tu veux quoi, la porte? Rien, ma salope! Tu la fermes et tu t'ouvres! Allez.
Les moines sont dans le cimetière. Tuez-les tous, que je sois fier de vous. Puis ce sera l'heure du goûter. Je vous paierai une petite friandise. Je peux ouvrir cette tombe sans problème. Qu'est-ce qu'il y a à la tombe? Rien, hein? D'après Maya, les moines mettent de l'iridium dans les tombes pour que les morts aient un peu de fric à dépenser dans l'au-delà. On les remboursera plus tard. Si jamais on survit. Ah, vide. Trop nul. Mais j'ai d'autres idées pour qu'on aille fouiller. Toi, là, tu apprécies ton dernier souffle. C'est la dernière. Ensuite, on pourra aller chercher le fragment. Merde, je crève d'envie d'entrer dans l'ermitage depuis que je suis arrivée. Je sais pas pourquoi, les portes fermées, ça me fait frétiller la groseille. On va rapporter ça à Maya. Écoute ta soif de sang. De céréales.
Laisse le chasseur de l'arche s'occuper de Maliwan. Oh, compris, Maya. J'y vais. Je fais jamais rien à part protéger des archives ou des réserves ou des conneries sacrées. On se voit plus tard, chasseur de l'arche. Non, Ava t'a vraiment à la bas. Non. Je serais toi, je surveillerais mes poches. Elle s'était planquée en douce sur un de nos vaisseaux marchands saisonniers. Elle a tenté de voler mon livre. Et plutôt que de l'acheter d'une falaise, j'ai décidé de la prendre sous mon aile. J'ai pris mon livre, je te rejoins d'ici une seconde. Faut juste que je termine. Mes exercices de relaxation. Votre attention, moine rebelle d'Athéna. C'est encore moi, le capitaine Franck. Je commence à perdre patience. Alors je vais le dire aussi poliment que possible. Je vous conseille fermement de vous rendre pendant qu'on piétine votre héritage. Parce que, bon, on est plus fort que vous. Je vais faire couler le sang. Où il est. Le livre, il dépasse de ton sac. Il est mort en essayant de jouer du piano. Quand on voit nos pinces, on se dit que c'est pas évident. Et en effet, il avait un module de synthé truc harmonisateur. Je connais quelqu'un qui n'aura aucune excuse pour manquer la soirée karaoké. S'arrête ici. Oh, terminé.